Alors, je vais chanter encore une cantique pour la gloire du Seigneur, en français bien sûr, et je laisse la place à notre frère Johan après, tout de suite après. Alléluia. Qu'est-ce que nous allons chanter? Eh bien, c'est une cantique que j'aime beaucoup, des ténèbres, tu m'as fait sortir. Parce que je suis conscient que c'est des ténèbres que le Seigneur m'a sorti un jour. Et je crois et je pense, c'est pas que je crois, c'est comme ça. Il n'y a pas un ici qui était dans la lumière. On était tous ténèbres. Mais par lui, nous sommes devenus lumière. Alléluia. Des ténèbres, tu m'as fait sortir. Gloire au Seigneur. Ce qu'a dit, disait,
Peut-être que ta lampe, ce soir, elle est seule. Je ne sais pas. Ça m'est venu comme ça de le dire, et bien je le dis. Parce que lorsque ça vient quelque chose comme ça, sinon l'aliment me colle. Si, lorsque j'ai quelque chose qui vient dans mon cœur, je le dis parce que ça vient de Dieu. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a sali sa lampe ce soir. Et voilà. Seul le sang du Christ peut la nettoyer. La laver. Bravo Seigneur. Alors, avant d'aller plus loin, je veux qu'on prie pour cette réunion, mais aussi pour ceux que peut-être ils ont leur lampe salie. Je ne te dis pas de lever ta main, mais lève ton cœur sur toi. Si tu as ta lampe qui n'est pas trop belle ce soir, lève ton cœur. À travers la prière, le Christ va la nettoyer, la laver. Gaston, je prie, tu présentes cette réunion et puis tu présentes les cœurs qui sont peut-être mal. L'endroit, Seigneur, que nous voulons nous approcher ce soir. Et être conscient que tu es là, que tu es présent. Et on s'approche de toi, non à la légère, oh Dieu, mais avec un cœur sincère et véritable. Et si nous sommes là ce soir, Seigneur, c'est par nécessité de ta parole. C'est parce que nous avons nécessité que tu parles dans nos vies, dans nos cœurs. Et nous voulons chercher une parole de toi. C'est ta parole qui fait du bien dans un cœur et dans une vie. Avant tout, nous te présentons ton serviteur. Alléluia. Nous demandons de travailler avec lui, de le remplir de ton esprit. Amen, amen. Qu'il soit l'instrument entre tes mains, mon Dieu. Je te présente les cœurs qui ont besoin de toi. Seigneur, tu es tant de vie. Amen. Tu visites, mon Dieu. Amen. Tu refais un renouveau dans la vie. Tu purifies nos cœurs et nos vies. Et à toi toute la gloire, Dieu. Amen. 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 Gloire à Dieu. On va chanter, on va continuer à chanter un cantique. Alléluia. J'avais. Ouais. Amen. Je voudrais qu'on puisse chanter un cantique, que ça fait un certain temps qu'on l'a pas chanté. C'est par une belle journée. Amen. 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 Bon, on pleure aujourd'hui, mais c'est pas grave. Amen. Chantons ensemble. C'est par une belle journée. Let's go.
Le roi des rois. Puis après je laisserai les sœurs. Béni soit le nom du Seigneur. S'il est ton roi, lève ta main. Acclame-le. Alléluia. Il est le roi. Nunca encontré
ante ti vengo, necesitado. Vengo a derramar el alma solo para ti. Ante ti vengo, necesitado. Baby.
Pero dice que ça bug. Dice que ça bug. Será el tiempo. Voilà, que Dieu vous bénisse. Hein. Bien content d'être ensemble ce soir. Hein. Vous comprenez que je ne suis pas à l'étranger. Ça fait quand même des fois que je viens ici. Je ne viens pas, si vous aimez mieux, comme quelqu'un qui vient remplir une tâche, j'y arrive, je vois. Amen. Et bueno. Une fois que j'ai passé ici, j'ai passé des bons moments. Et encore ce soir, je me suis réjoui avec vous. Amen. Que Dieu vous bénisse ce soir. Amen. Et bien sûr, je suis venu avec la parole de Dieu. Je ne suis pas venu avec mes pensées. Souvent, je dis à l'école biblique, aux étudiants, quand vous prêchez, il faut lire la Bible. Amen. Les gens n'ont pas besoin de savoir vos pensées, ils ont besoin de savoir Amen. Ce que Dieu dit. Amen. Et ce soir, nous voulons savoir ce que Dieu a nous dit. Hein? Voilà. C'est vrai que pour certains, c'est un vieux livre. Hein? Le livre que j'ai dans la main, vous ne l'ignorez pas. Je vous parlais de l'histoire de Jésus, ça date de 2000 ans. Alors, vous allez comprendre. Allez au marchand de journal. Et demandez-lui qu'il vous donne le journal. Il arrive et il vous dit, j'ai qu'un journal qui date d'il y a 5 ans. Je ne savais pas ce journal-là. J'ai besoin des histoires anciennes. Je veux savoir ce qui s'est passé dans la semaine. Je veux lire le journal. Eh bien, ce soir, même la Bible n'est pas dépassée. Même qu'elle a 2000 ans, elle va nous expliquer encore ce soir ce que nous avons besoin de faire. Et c'est ça qui est important. Je ne suis pas un prophète, comprenez bien, loin de là. Hein, pas du tout. Un prophète, c'est celui qui annonce les choses à venir, mais la Bible est un livre prophétique, et elle est capable encore de nous parler ce soir. Amen. Alors, je sais que dans l'auditoire, je ne connais pas tout le monde, il y a des visages qui me reviennent, mais je sais une chose, que je peux parler en priorité déjà aux chrétiens. Et il y a des chrétiens ce soir. Amen. Maintenant, je peux parler aussi ce qu'on appelle des sympathisants. C'est ceux qui sont toujours à la réunion et qui n'ont pas fait encore le pas. C'est ce qui est important de faire. Vous savez, je vous dis une chose, hein. Il faut faire le pas ici-bas pour pouvoir faire le pas dans le ciel. Tant qu'on n'a pas fait ici-bas, on ne peut pas rentrer dans le ciel. Non. Je voudrais vous dire encore ce soir. Bueno. Et maintenant, je voudrais aussi m'adresser à ceux qui ont lâché la main du Seigneur et qu'on appelle dans nos églises des rétrogrades. Il y a trois sortes de personnes que le message s'adresse ce soir. C'est à toi de savoir qui tu es. Mais je peux dire une chose. Dieu te voit et te fait attention ce soir. Amen. Et c'est ça qui est important. Amen. Personne n'est oublié par Dieu. Hein? Personne n'est oublié par Dieu. Vous vous rappelez qu'à un moment donné, la pensée me vient que Jésus rentre dans une synagogue. Et les synagogues, normalement, étaient séparées au milieu. Un côté, c'était les femmes, et l'autre côté, c'était les hommes. Et le rabbin qui prêchait devait regarder les hommes. C'était les hommes qui devaient regarder. Et à ce point, à un moment donné, Jésus prêche dans cette synagogue. Et quand il prêche, il détourne son visage. Les hommes, ils regardent du côté des femmes. Ce qui n'est pas sûr pour un rabbin. Et en plus de ça, il parle avec quelqu'un qui ne voit pas. Parce qu'il y avait une femme, la Bible nous déclare qu'elle était courbée. Alors comme cette femme était courbée, elle était abaissée et Jésus ne pouvait pas la voir. Mais Jésus l'a vue. Amen. Il n'y a personne qui peut échapper au regard du Seigneur. Voilà. Amen. Je voudrais te dire, Jésus est présent ce soir. Amen. Et puis, je me rappelais hier soir, j'étais en train de prêcher à l'église de La Rose, là-bas, vers le frère Colomb, je crois il s'appelle. Et j'étais en train de prêcher. Puis d'un coup, une pensée m'est venue. J'ai eu la chance de pouvoir aller aux Indes. Et quand je suis allé aux Indes, prêcher là-bas, eh bien, figurez-vous qu'il y a beaucoup de lépreux là-bas. Et les lépreux, j'en avais jamais vu, moi, en France, on n'en voit pas. Même si, par exemple, on nous dit, il y a des lépreux à un centre, mais personne n'en a vu. Ça, excusez-moi, ça traîne pas les rues. Mais là-bas, en Inde, ça traîne les rues. À Hyderabad, il y avait une lépreuse qui était là. Donc, c'était une femme qui était lépreuse. Et je vous explique comme c'est choquant. Elle avait la lèpre, si vous aimez mieux, dans le visage, là. Et quand vous passez à côté d'elle, vous voyez par ce trou-là, vous voyez la langue, vous voyez les dents. La lèpre l'avait rougée. Alors vous voyez, c'est chaud. Et puis c'est une chose qui est répugnante. Ça vous répugne, sans être les plus grands, si vous aimez mieux, saints, mais c'est répugnant, la lèpre, on a peur de toucher. Eh bien, je sais qu'une chose, qu'à un moment donné, quand Jésus a dit, et un homme qui était là, qui a dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. C'était un lépreux. Et Jésus savait qu'un lépreux s'était repoussé par tout le monde. Jésus savait que tout le monde ne faisait pas attention. On ne voulait pas l'apprendre qu'il nous approche. D'abord, on lui mettait un manteau avec des clochettes. Pour quand il passait, tout le monde puisse mettre à l'écart. Même sa propre famille le repoussait. Alors comprenez bien. Un homme crie, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il aurait pu faire, comme il a dit au centenier, va, ton serviteur est guéri. Il aurait pu faire comme ça. Non, c'est le coup ce qu'il a fait. Il s'est approché du lépreux et il a posé ses mains. Amen.
Jésus l'a pas repoussé. Je voudrais vous dire une chose, c'est parce qu'il est animé de compassion, et je sais que la Bible me déclare que Jésus n'a pas changé. Ce soir, il y a le Dieu de la compassion. Alors je pense que nous en avons tellement besoin. Dans les temps où nous vivons, on nous en avons tellement besoin. Je voudrais dire merci au frère pour le cantique qu'il a composé. Il est le roi. Mais c'est le seul roi de ce monde qui laisse envers ses sujets et qui leur apporte des bienfaits. Les rois dans le monde, on leur embrasse la bague. On se tâche devant eux. Tandis que Jésus, lui, apporte la bénédiction. On a vraiment le roi des rois ce soir. Que Dieu soit béni. Je prie un instant, Seigneur. Vous avez prié, j'ai rien dit. Alors laissez-moi prier, j'ai besoin. Que ton nom soit béni ce soir, Seigneur. Tu es merveilleux, je bénis ton nom, Jésus. Je te dis merci pour la grâce de Dieu de te connaître. Je te dis merci parce que tu es bon à l'extrême, Seigneur. On n'arrive pas à expliquer ta bonté ni ta grandeur. Nos mots ne sont pas capables de voir, Seigneur, notre Père, te glorifier comme tu dois être glorifié. Mais ce soir, avec mes frères et sœurs, on veut s'arrêter devant toi. On veut que tu puisses, notre Père, apporter cette bénédiction dont on a besoin. Seigneur, étends tes mains sur ton peuple et à toi soit toute la gloire. Dans le nom précieux de Jésus, je te dis merci, mon Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Alors, vous allez comprendre qu'un prédicateur, c'est vrai qu'on prêche un message qui a 2000 ans. Mais c'est un mot qui est particulier, je vais vous dire. Je suis pas un arriéré. Je sais que je suis en 2021. Vous allez comprendre. Je vais vous parler des temps des apôtres, des hommes de la Bible. Mais je sais très bien que je suis en 2021. Et en 2021, il y a quand même des personnes qui sont différentes. Dans ce temps-là, il y avait un autre chameau ou un autre dame. Maintenant, tout est différent. Vous avez beau dire ce que vous voulez, c'est différent. Mais Dieu, lui, n'est pas différent. Il sait qu'on est en 2021 aussi. Et il a aussi un message pour chacun de nous. Il n'est pas dépassé par la génération. Vous savez, des fois, on voit quelqu'un, on dit, bon, il est arrivé, celui-là, il n'est pas moderne. Jésus, lui, n'est pas touché par toutes ces choses-là. Il a le même message, quels que soient les siècles. Parce que Jésus ne s'adresse pas aux vêtements, ni à la coiffure, il s'adresse au cœur. Et le cœur, c'est important. Et je crois que nous sommes venus de notre cœur ce soir. Hein? On a pu s'apprêter comme on veut. Mais ce qu'on a besoin ce soir, c'est pas que Jésus nous donne un foulard, ou si vous aimez, ou une paire de gants pour les hommes, mais qui touche notre cœur et qui bénisse notre cœur. Nos vies ont besoin de lui. Alors je regarde et je voudrais vous lire la parole du Seigneur. Et je pense que vous allez comprendre que ce que je vais vous lire là, c'est ce que nous vivons en ce moment. C'est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 1er. Écoutez bien. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, on pourra ajouter sœurs, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, quand les hommes diront paix sur paix, alors une ruine soudaine les surprendra. Amen. C'est ce que je voulais vous dire ce soir. Alors, le texte commence. Nous allons le détailler tout simplement. Vous savez, on ne s'attend pas. Je voudrais vous dire, on est tombé dans un siècle maintenant que les gens aiment des prédications. Les gens viennent pour écouter les prédications. Plus qu'elle est bizarre, plus que ça leur plaît. Plus qu'elle est extraordinaire, plus que ça leur les intéresse. Mais je voudrais vous dire une chose. On a besoin du mot de Dieu ce soir. Amen. Je regarde la parole de Dieu. Et puis, le mot de Dieu. Il y a un homme qui était malade depuis des années. Il se trouvait dans un endroit qui s'appelle la piscine de Bethsaïda. Jésus est arrivé. Et quand il est arrivé, il s'est mis devant le malade. Et vous savez ce qu'il a dit, Jésus ? Il a dit, veux-tu être guéri ? Jésus n'a pas fait une prédication. Jésus lui a demandé ce qu'il avait besoin. Et il y en a trop qui veulent des grandes choses. Mais ce que Dieu voulait te dire ce soir, c'est ce que tu as besoin. Pourquoi tu veux tout des mots, des affaires ? Il y a des gens qui sont là, comment qu'ils prêchent bien celui-là ? Quel est le message ? Mais ça ne change pas leur vie. On peut expliquer bien les choses, mais si rien se passe ce soir. Moi, je vous dis en toute vérité, c'est pas que je suis plus qu'un autre, mais à cause que je prêche la parole de Dieu, je veux que Dieu m'accompagne. Amen. Moïse a dit un jour, Seigneur, si tu viens avec nous, on ne bouge pas, nous, on n'y va pas. Eh bien, moi, je parlais comme Moïse. Moi, je suis comme Moïse, mais je parlais comme lui. Si ce soir, il ne se passe rien, c'est-à-dire, à quoi ça sert que je prêche la parole de Dieu ? À quoi ça sert s'il n'y a pas un malade guéri ? À quoi ça sert s'il n'y a pas une personne de sauver ? À quoi ça sert ? J'ai autant de choses à faire dans le monde. Mais Dieu m'a appelé pour le servir. Il m'a dit, sans moi, tu ne peux rien faire. Alors, vous allez comprendre, j'ai besoin de commencer. Amen. C'est tout simple, mais c'est la vérité. Alors, je voulais vous dire une chose. Nous ne sommes pas ignorants de ce que nous vivons. Nous sommes dans des temps difficiles.
je pense que vous devez vous en rendre compte. On est en ce moment en train de parler, pas simplement quelque chose qui se passe sur Marseille. Il y a des problèmes à Marseille, mais comme il y a des problèmes partout. Mais on est en train de parler d'un problème que le monde entier est touché. Nous sommes tous touchés par ce problème-là. Et il semblerait que maintenant, à cause qu'on est touché, à cause de ce que vous avez ce qu'on appelle les médias, on vous l'a dit, on est bombardé de choses qui se passent. Ils n'arrêtent plus les épargnes, les morts, les Covid, ça n'arrête plus le vaccin. Tout le monde, on a la tête qui est pleine. On a un problème, on en est habitué maintenant. Et maintenant, on est insensible. On parle, c'est bon, on a prié tout à l'heure pour les gars. Puis de ce qu'on est en train de dire, mais t'as vu un tel Hilda ? Ah, Hilda, ça y est maintenant. Allons, il est mort. C'est de misère, hein. Mais vous vous rendez compte comment on est maintenant ? Alors vous allez me dire, mais oui, mais ça, c'est une maladie qui se passe. Mais c'est quand même particulier, le monde entier. Les plus grands savants du monde entier cherchent et ils ne trouvent pas. Les docteurs, avez-vous vu quelle panique que ça a fait les docteurs ? Il y en a qui disent, moi je suis pour, l'autre dit, je suis contre. Les infirmiers qui apportent les vaccins, moi je ne me fais pas vacciner. Si tu vaccines pas les gens, on te sort dehors, tu n'as plus la place à l'hôpital. J'accepte, je sors pour ne pas faire ça. Alors vous comprenez bien, où le trouble est partout, on ne sait plus comment faire. Qui peut dire ce soir, moi comme je sais, c'est bien. C'est pas mon père, ça. Moi je ne peux pas dire à quelqu'un, ne te fais pas vacciner, comme je ne peux pas dire, fais-toi vacciner, on ne sait plus. Ça devient personnel. Il y a un trouble dans le monde qu'on ne sait plus. Quand on écoute parler les grands de ce monde, on s'aperçoit qu'ils se mangent les uns les autres comme des chiens qui se dévorent. On ne sait plus où on en est. En toute vérité, à qui faire confiance? On ne sait plus maintenant. On s'aperçoit que l'autre qui était un personnage important, il a fait une chose que c'est choquant. On le rejette. Comment? Mais tout le monde avait confiance en lui. On s'aperçoit que l'autre, il a volé toutes les caisses. On s'aperçoit que l'autre, il a fait des choses par derrière. On s'aperçoit qu'il n'y a plus rien du tout. Alors, je voudrais vous dire une chose. On est vraiment dans des temps particuliers. Seigneur, on doit faire attention. Et je voudrais que chaque chrétien puisse faire attention. N'oubliez pas, on a un rendez-vous divin. On a un rendez-vous divin. Nous, on a quand même un programme, nous. On n'est pas n'importe qui. Moi, j'ai un programme, mais je ne suis pas le seul, Seigneur Jésus. Si je serais le seul, je serais un gars. Je suis bien un cas, à la croix du calvaire, la Bible déclare que le Seigneur a donné son Fils pour le monde entier. Amen. C'est pas pour moi. Que Dieu soit béni pour cette grâce particulière. Vous savez, Dieu dans le monde, qu'est-ce qu'on dit? Par exemple, quelqu'un qui a réussi, quel homme intelligent. Quelqu'un qui est capable de faire 2-3 lits, quel homme intelligent. Et en Dieu, c'est pas ça. Dieu dit, les intelligents, c'est ceux qui me connaissent. Amen. Je suis pour un peuple intelligent ce soir. Amen. Parce que nous connaissons Dieu. Les savants nous explique comment marche le ciel. C'est pas l'expliquer, nous sommes, je suis pas un savant. Et moi, je peux vous expliquer comment on va au ciel. Amen. C'est quand même beaucoup plus simple. Les savants ne savent pas comment on va au ciel. Mais nous, on le sait. Amen. Alors, pour certains, c'est de la folie. Non, c'est de la vérité. On sait d'où on détient la source, nous. Et la source, elle ne sort pas de nous. Elle sort de celui qui est venu ici-bas et qui nous en a montré le chemin. Il a dit, je suis le chemin. Vous allez comprendre, je ne suis pas belle, je vais prendre un autre chemin. Quand il y a un autre chemin, on appelle ça une déviation. Mais avec des déviations, on se perd. Tandis qu'avec le vrai chemin, on est sûr. Restons sur le vrai chemin. C'est important. Alors j'en garde, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Et je pense, en tant que chrétien et chrétienne, du moment où on vit, avec les prédicateurs que nous avons, chaque prédicateur vous dit, on est dans le temps du retour du Seigneur. Il se passe des choses que la Bible... Vous savez, on ne peut pas tout expliquer, nous, les prophéties. Je n'ai pas la prétention de tout vous expliquer. Mais il y a un petit détail dans la Bible. Un petit détail. À un moment donné, il y a ceux qui ont annoncé la venue de Jésus venant sur la terre. Les prophètes anciens, les Jérémie, les Isaïe, et ainsi de suite. Tous ces hommes-là, Michée qui a expliqué d'où ils venaient, ils ont tous parlé. Mais tellement que ça les avait tracassés. Sous la plume, ils sentaient qu'ils étaient animés du Saint-Esprit. Alors ils ont fait des recherches, ils ont fait des investigations. D'un seul coup, Dieu, il est merveilleux. Il nous empêche de chercher. Mais quand on ne cherche pas dans le bon chemin, vous savez ce qu'il a fait, il dit, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux. Ah, Dieu ne voulait pas qu'ils s'égarent. Il leur révèle que ce n'était pas pour eux. Alors bon, après, ils ont pu chercher. Puis après, les apôtres, ils étaient avec Jésus. Et Jésus a parlé. Il a parlé des signes, il a parlé de tout ça. Puis d'un seul coup, les apôtres ont eu cette réflexion qu'on a chacun. Dis-nous, Seigneur, c'est quand? Il
d'un seul coup, Jésus leur a parlé. Et au moment où il y a eu l'ascension, qu'ils partaient dans le ciel, ils ont renouvelé ça, et parce que ça les dérangeait dans leur tête. Ils voulaient savoir, c'est quand, Seigneur? Et d'un seul coup, Jésus leur a dit, c'est pas à vous de connaître les temps ou les moments. C'était pas à eux. Alors on pourrait se poser la question, mais Seigneur, c'est à qui de connaître? Eh bien, c'est marqué dans la parole de Dieu. Vous lisez dans Matthieu 24, dans Luc 21, et Marc 13, c'est marqué. Il y a un petit mot qu'on peut comprendre tout simplement. Il n'y a pas besoin de connaître l'hébreu, il n'y a pas besoin de connaître le grec, il n'y a pas besoin de faire toutes les études. Il y a simplement qu'à ouvrir ses yeux. Vous voulez les ouvrir ce soir? Amen. Jésus a dit, quand vous verrez ces choses, sachez que mon retour est proche. Amen. Il n'y a pas besoin de tout connaître, il y a simplement d'ouvrir les yeux. Un chrétien ouvre les yeux. Un chrétien regarde ce qui se passe. Un chrétien fait attention comment le monde tourne. Je voudrais vous le rappeler ce soir. Il y a trop de choses que le Seigneur nous a prévues dans sa parole. Paul ou Pierre pouvaient venir où ce soir et dire on les ferait, ils seraient la soir. On dirait, Paul, dis-nous un mot, quel mot que tu as à nous dire? Eh bien, Paul dirait, les prophéties que j'ai annoncées, je ne les ai pas vues, mais vous les voyez. Amen. Nous sommes le peuple qui voit, la génération qui voit. C'est marqué dans la parole de Dieu. Alors je pense que ce soir, en tant que je ne suis pas le plus grand intelligent, je ne suis pas le plus grand des sages, mais je vais quand même faire attention. Je crois que si la parole me donne un avertissement, je dois le considérer. Combien de jeunes n'ont pas écouté leurs parents et quels dégâts ils ont eus? Les parents ne voulaient pas faire comme faire de leurs enfants des esclaves. Mais ils disaient, mon fils, si tu fais ça, ça ira pas. Le petit disait, moi non, les copains le font. Et puis regarde, ça a pu aider. Non, je voulais vous dire une chose, on n'est pas des petits enfants ce soir. On est quand même des gens qui connaissent le message de Dieu. Et on sait que Dieu ne peut pas nous tromper. Au contraire. Puis j'aime bien la façon dont on parle Jésus. Jean chapitre 14, quand il dit, si ce n'était pas comme ça, il dit, je vous l'aurais dit. Vous ne pouvez pas trouver plus bon comme langage. Il dit, si ce n'est pas comme ça, moi je vous l'aurais dit. On leur dit que je ne peux pas vous tromper. Prenez un repère. Hébreux 6, 18. C'est marqué. Vous savez que les anges ont dit, je crois que c'est dans Luc, chapitre 1er, ils ont dit, rien n'est impossible à Dieu. Ah, ça c'est formel. Les anges qui mettent le Seigneur disent, rien n'est impossible. Et pourtant, moi, je peux vous dire une chose d'impossible que je ne peux pas faire. C'est marqué dans Hébreux 6, 18. C'est impossible que Dieu mente. Alors je pense que ce soir, quelle force nous avons quand on s'appuie sur lui. Hein? Que Dieu soit béni. Alors, je regarde. Et puis la Bible continue. Vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Viendra dans la nuit. Mais mes frères et sœurs, vous allez comprendre, il n'est pas question de nuit, en pleine nuit qu'il va venir. Pourtant, c'est marqué. Mais comprenez bien. Je voudrais vous dire, vous savez que l'Évêque, la terre ronde. Et nous, quand on est en France, au même moment en Amérique, il est 6h du matin. Vous comprenez ça? Alors, ça peut être la nuit dans le monde entier. Il n'est pas question de cette nuit-là. Comme la nuit, le jour et la nuit. Parce qu'à cause que le globe est fait, il y en a qui sera à midi, les autres 10h, les autres 15h, ainsi de suite, à cause du soleil qui tourne autour de la terre. Donc il n'est pas question, quand il dit Jésus, il viendra dans la nuit. Ah non, ce n'est pas une question comme ça. C'est plutôt comme l'apôtre Paul parle. Écoutez ce qu'il dit l'apôtre Paul. Il dit, la nuit est avancée, le jour approche. Amen. Et c'est ça qu'il faut comprendre. La nuit, c'est le monde des ténèbres qui est en train de se mettre sur toute la terre. Mes frères et sœurs, n'oubliez jamais, je pense que vos prédicateurs vont l'enseigner, sitôt que l'Église sera enlevée, un personnage apparaîtra, ça s'appelle l'Antéchrist, et c'est lui qui gérera sur le monde entier. Ce sera un homme, bien sûr c'est un homme, mais il sera animé par le diable, il aura sa puissance, son autorité et son trône. C'est marqué dans Apocalypse chapitre 13. C'est lui qui va gérer le monde, mais en ce moment il est en train de préparer sa venue. Le mystère de l'iniquité agit déjà, dit la parole de Dieu dans les Thessaloniciens. Il y a une chose qui est en train de se faire dans le monde. Et puis je pense que vous le voyez quand même. On le voit. Alors, je voulais vous citer un texte pour vous rappeler que c'est important. Matthieu 24, 12. Le Seigneur a dit, parce qu'il a dit, l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se reproduira. Amen. Alors, vous allez comprendre, il ne parle pas de l'amour dans le monde entier. Il ne parle pas du monde entier, Jésus. Il parle dans la chrétienté. Il y a cause que l'iniquité grandit, l'amour se refroidira. Mais Seigneur, moi, ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans le monde. Je veux pas que mon amour pour toi se refroidit. Et pourtant, mes frères, c'est marqué. Il faut faire attention, c'est marqué. Ça veut dire quoi, refroidir? Vous savez très bien, vous avez un lavabo. Vous avez côté froid, côté chaud. Quand vous mettez trop chaud, vous ne pouvez pas vous laver les mains.
Si vous mettez trop froid, c'est embêtant. Qu'est-ce que vous faites pour qu'il tienne? Eh bien, à un moment donné, il y aura la tiédeur. Comment ça se manifeste, la tiédeur? La tiédeur se manifeste dans le langage. Les gens appelleront le mal bien et le bien mal. C'est ce qui se passe en ce moment. Mes frères et sœurs, je ne sais pas quel choc. Je disais encore l'autre jour, avec respect, je dis ça, je voudrais gêner personne, mais vous allez comprendre. On vit dans un monde comme ça. On ne va pas faire taire les gens. Écoutez bien. Vous savez, comme moi, aujourd'hui, deux hommes peuvent se marier ensemble. Deux femmes peuvent se marier ensemble. Vous n'avez pas le droit de dire un mot. Parce que si vous dites quelque chose, moi je suis en train de prêcher là. Si je parle sur ces personnages-là, quelqu'un peut venir et peut me faire passer en justice. Le diable a réussi à faire taire ça. Il l'a légalisé au monde entier, vous n'êtes aussi que nous, on le légalise. Mais on ne peut pas légaliser le péché, mes frères et sœurs. Je m'excuse. Le mal s'appelle mal et le bien s'appelle bien. Alors, je voulais vous dire une chose. Il a réussi par sa puissance que le monde entier, alors que normalement, que vous voulez ou non, avant que la loi de Moïse soit donnée, lorsque vous lisez le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, avant que la loi de Moïse soit donnée, Dieu avait dit, l'homme et la femme, quand il dit l'homme quittera son père pour s'attacher à sa femme, ils deviendront une seule chair. Avant que toute loi, toute chose de Dieu soit donnée, déjà là, Dieu avait commencé par le mariage, c'était ce qui était sacré pour Dieu. Le diable a réussi à casser cette alliance que Dieu avait faite dès le départ, et il se promène d'ici bas de ce monde. Mais je voudrais me lever en tant que chrétien. Moi, je ne dis pas le bien, c'est le bien. Je dis le bien, c'est le bien. Et le mal, c'est le mal. Amen. Je veux rester dans mon langage. Amen. Je ne veux pas de la tiédeur. Ils nous ont habitués. Ils nous ont habitués. L'autre jour, j'étais à une réunion. Et ce coup, j'ai dit simplement un mot. Écoutez bien. J'ai dit, mes frères et sœurs, et il faut s'imaginer, hein, comprenez bien. Imaginez un instant que là, ce coup, le Seigneur, il m'a mandaté pour dire, voilà, je vais passer une soirée chez un chrétien ou une chrétienne. Qui veut l'inviter? Automatiquement, je pense que vous êtes aussi d'accord. Vous ne voulez pas que Jésus passe une soirée chez vous? Amen. Alors, là, enlevez la main. Et d'un seul coup, je dis, je suis sûr que lorsque vous allez être chez Jésus, vous allez lui faire votre meilleur repas. Les femmes vont faire le meilleur gâteau. Vous allez comprendre. Mais d'un seul coup, j'ai posé une question. Jésus est assis, tiens, comme les frères sont assis, ils sont chez eux. Et d'un seul coup, je pose une question. Est-ce que vous allumez la télé? On n'allume pas la télé chez Jésus. Parce que ce qu'il y a à la télé, on ne pourrait pas le regarder pour Jésus. Je ne dis pas qu'on regarde des choses humaines, mais même n'importe quelle chose, on ne peut plus regarder la télé pour Jésus. Alors, ça veut dire tout ça, je ne condamne personne, mais ça veut dire comment on s'est habitué à quelque chose. On s'est habitué. Je voudrais vous dire une chose. Le mal a fait son grand dégât dans le monde entier. De nos jours d'aujourd'hui, c'est difficile. Les chrétiens écoutent la parole de Dieu. Comme j'ai dit tout à l'heure, ils veulent que des prédications. Mais quand ils sont dehors, vous voyez, pourtant, c'est juste une petite fenêtre. Dehors, ils oublient tout. Jésus leur a dit, je me souviens dans le temps, c'est vrai que des fois, quand on est ancien, on dit, dans le temps, c'était mieux. Laissez tomber ce système-là. Il faut appeler les choses vraies. Dans le temps, quand le Seigneur nous appelait et nous faisait comprendre qu'il fallait davantage compris, quand on sortait dehors, on se réunissait, nous avons pris ensemble ce soir. Quand le Seigneur nous rappelait qu'il ne faut pas vivre toujours dans sa maison pour les sœurs, ne faire que du nettoyage, jamais s'occuper de la voisine d'en face, alors quand Dieu nous disait d'aller témoigner, qu'est-ce qu'on faisait? Après, on allait témoigner. Maintenant, aujourd'hui, on dit, ah, il a bien prêché ce garçon-là. Et puis des fois, on en rigole même de ce qu'il dit. Non, mes frères et sœurs, il faut comprendre que nous sommes venus d'un temps difficile. Alors, je regarde l'apôtre Paul, il dit dans Thessaloniciens, il dit dans Timothée, il dit, dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Ah, tout le monde prend le nom, qu'est-ce que ça va être? Les temps difficiles, dans les derniers jours. Mais je me suis aperçu, mes frères et sœurs, il ne parlait pas de guerre, il ne parlait pas de famine, il parlait de l'Église. Parce que vous allez comprendre, il a parlé, il dit, dans les derniers temps, les gens seront avides d'argent. Ah, ça veut dire qu'il y a encore de l'argent. On travaille encore, on en gagne encore. Il est dans les derniers temps. Donc c'est pour le niveau de l'argent. Il est dans les derniers temps, il dit, les gens aimeront le plaisir plus que Dieu. Ah, je vois qu'il y a encore des loisirs. Donc c'est pas quelque chose qui va nous tomber dessus et qui va nous faire mourir. On va être en prison, pas ça du tout.
Non, c'est quelque chose que on se laisse gagner. De nos jours aujourd'hui, mes frères et sœurs. La Bible déclare, aimant le plaisir plus que Dieu. Et où c'est mauvais pour la chrétienté, c'est ça. Ayant l'apparence de la piété, mais reliant ce qu'on fait à la force. Mes frères et sœurs, je parle avec liberté, hein, vous allez pour moi. Je ne parle pas pour vous ce soir. Je vous parle par rapport à comme le Christ parle à son Église dans les temps de la fin. Et s'il a donné des avertissements, vous et moi, attention, moi aussi je suis dedans, on doit faire attention à ce qu'il a dit. Jésus connaît toutes choses. Il ne parle pas en vain. Vous savez, à un moment donné, on dit que Jésus connaît toutes choses. Et pourtant, dans le jardin d'Éden, il dit « Adam, où es-tu? Adam, où es-tu ?» Ça veut dire, mais alors tu sais pour qui est, Seigneur. Si, il savait où qu'il était. Mais c'était Adam qui était perdu dans sa misère. Il avait besoin de savoir où il était. Donc Dieu parle, mes frères et sœurs. Il ne parle pas parce qu'il ne connaît pas. Il parle justement parce qu'il connaît. Et vous nous rappelez où c'est qu'on en est. Où c'est qu'on en est. De nos jours, dans nos églises, je visite un peu partout. Le plus grand problème, c'est la prière. Les chrétiens ne prient plus. On est dans les cultes, mes frères et sœurs. C'est peut-être pas le cas ici, mais je vois ce qui se passe partout. C'est dans les cultes maintenant. Le moment vient pour pouvoir adorer le Seigneur. Eh bien, quand vous regardez l'assemblée, il y en a, mais c'est rien du tout. Mais ils sont pris, le téléphone. Dans le moment de l'adoration, ils sont sur le téléphone. Alors j'imagine, si Dieu regarde ça, il doit être réjoui. Il doit dire, oh, c'est un petit garçon qui est intéressé. Oh, comment qu'il est intéressé. Mes frères et sœurs, on a un cantique qui a été chanté à l'école publique cette année. Donne-moi le cœur d'un adorateur. Amen. Seigneur, Dieu veut des adorateurs. Il ne veut pas des habitués au téléphone, il veut des adorateurs. Amen. Quand Dieu parle, vous avez vu tout à l'heure. C'est trop beau ce que vous avez fait. J'ai lu la Bible, vous vous êtes levé. Mais ça ne servait de rien si vous êtes remis assis et vous vous mettez sur le téléphone. Ça ne servira à rien de vous avoir levé. Ça avait fait religieux ce que vous avez fait. Mes frères et sœurs, on ne vit pas religieusement, on vit spirituellement. Amen. Et on a besoin de ça. Je voudrais vous dire, dans nos églises, maintenant, il n'y a plus de prière. Quand on est du dimanche matin au culte, demandez au pasteur. Il dit voilà, dimanche, il va y avoir 7 qui vont prier. Celui-ci, celle-là, l'autre là-bas, et après c'est fini. Après, il n'y a plus de prière. Et après, tout le monde attend. Quand on sent que le pain est distribué, ça commence à y aller partout. Il n'y a plus, si vous aimez mieux, cette attention d'être devant Dieu. On n'arrive plus à se mettre devant Dieu. Je voudrais, Seigneur, mes frères et sœurs, que l'on puisse reprendre les bonnes habitudes. On a besoin de comprendre qu'on est devant Dieu. C'est une réunion simple ce soir. Mais on est devant Dieu, mes frères et sœurs. Il est là, lui. Il ne manque pas une réunion. Nous, on manque une réunion pour un feuilleton à la télévision, pour qu'il fasse une chose ou une autre. On manque à la réunion. Mais lui ne manque pas. Amen. Parce qu'il sait que celui qui prêche, il peut rien faire sans lui. Lui, c'est le plus sérieux dans les réunions. L'autre fois, j'étais dans une réunion de prédicateurs. Et vous savez, j'ai l'habitude de le dire, comme tous les frères, deux ou trois réunis en mon nom, je suis au milieu de vous. Amen. Et j'explique que Jésus est au milieu de nous. Puis à ce moment-là, j'ai réalisé que en tant que prédicateur, je dois faire attention à ce que je dis. Parce que le premier qui m'écoute, c'est lui. Il est au milieu de nous. Amen. Alors, je pense que dans ce coup, le prédicateur, il parle. Dans ce coup, Jésus peut dire, mais qu'est-ce qu'il dit, celui-là? J'ai jamais dit ça, moi. Mais j'ai jamais expliqué ça, moi. N'allons pas trop loin dans nos explications en tant que prédicateurs. Restons bibliques. Amen. Restons bibliques. Amen. C'est la Bible que nous avons besoin d'annoncer. Alors, on vit des temps difficiles. Mais les temps difficiles, c'est des temps difficiles aussi bien pour l'Église. C'est pas qu'il va y avoir la famine demain. C'est pas qu'il va y avoir la guerre demain. Mais c'est la condition des chrétiens, comment ils sont maintenant. Aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence. C'est bien l'apparence, Seigneur Jésus. Oh, bonjour mon frère, je t'aime trop bien. Je ne peux pas le voir, celui-là qui m'énerve. Non, mais réfléchissez, je vous dis ça simplement. Mais ça se vit, ces choses-là. Mais il ne faut pas qu'on les vive, nous. Il faut qu'on soit vrai. Il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'il y ait quelque chose de bon. Je ne veux pas l'apparence. L'apparence, mes frères, c'est ceux qui mettaient des masques dans le temps. Et dans le théâtre, le mot masque, c'était hypocrite, ça voulait dire. Je ne vais pas être un hypocrite devant le Seigneur. Je vais être vrai. Je ne suis peut-être pas le meilleur, mais je vais être vrai. Amen. Avec des défauts, mais je vais être vrai. Amen. Je vais être vrai devant le Seigneur. C'est trop important, la vérité. Regardez simplement la chose. À un moment donné, lorsque Jésus a parlé à la Samaritaine, il lui a parlé. Et puis,
qui lui a tout expliqué, le système, tu vois, de cette eau, c'est une source qui s'est rajoutée dans l'éternel. Il a pris du temps pour lui expliquer. Puis à un moment donné, cette femme, quand il, elle est convaincue par la parole de Dieu. Elle dit, j'en veux, non pas de l'eau, j'en veux. La Bible nous déclare que Jésus n'en donne pas. Il dit, va chercher ton mari. Il faut d'abord régler le problème du péché. Mes frères et sœurs, tant que le péché n'est pas réglé, ça ne marchera pas. Je voudrais vous dire une chose ce soir. Si quelqu'un se trouve sur une solution, je dis ça comme ça, comme les frères l'expliquaient tout à l'heure, si quelqu'un se trouve dans une position fausse, même que personne ne sait, Dieu le sait. Amen. Ne l'oubliez surtout pas, Dieu le sait. Amen. Et ne pas régler ses problèmes devant Dieu, ça ne marchera pas. Même si on s'en est tiré, même si tout le monde dit « j'avais raison », alors que tu avais tort, tout le monde t'a donné raison. Le Seigneur lui sait la vérité. Amen. Va chercher ton mari. Amen. Et la femme, elle n'a pas fait, elle s'est pas mis à genoux, elle s'est pas arraché les cheveux, elle dit « je suis pécheresse ». Elle dit simplement « j'ai pas de mari ». Et puis là, c'est où Jésus a parlé derrière tout de suite. Il était à raison de dire ça. Parce que tu as eu 5 maris, et celui que tu as encore, c'est pas le bon. Frère et sœur, il lui a montré qu'il connaissait toute sa vie. Mais il a accepté sa vérité, et à cause de ça, il a été pardonné. Dieu ne nous demande pas de nous arracher les cheveux. Dieu ne nous demande pas de pousser les gris. Il nous demande d'être vrai. Amen. J'ai besoin d'être vrai ce soir. Alléluia. Je vais être béni par Dieu. Alors je regarde. Je regarde dans la parole de Dieu. La nuit est avancée, le jour approche. Hein? Que Dieu nous aide dans sa grâce à comprendre ces choses. Je regarde et puis je vais terminer avec ça. Le mot de la Bible. Hein? La nuit est avancée. Sur le monde, la nuit est avancée. Je voudrais vous dire une chose. C'est vrai que Jésus, c'est le prince de la paix. Mais n'oubliez pas que le prince de ce monde s'appelle Satan. C'est Jésus lui-même qui l'a dit de sa bouche. Mais attention, de nous, c'est le prince de ce monde qui s'appelle Satan. Il a la puissance des ténèbres avec lui. Le Seigneur a bien dit, puissance de ténèbres. Donc Jésus n'a pas dit, oui mais c'est rien, un tout petit peu. Non, non, il a dit lui-même, puissance des ténèbres, c'est le prince de ce monde. Nous avons un adversaire redoutable, mes frères et sœurs. Nous ne pourrons pas nous en sortir sans prendre Jésus avec nous. Amen. Ne croyez pas qu'on s'en sort avec nos idées, nos capacités. On s'en sort avec Jésus. Amen. D'abord, la preuve, il a dit, le Seigneur, il a dit, quand il y a un démoniaque, il dit, ne cherchez pas autre chose, chassez-le en mon nom. C'est son nom qui est toute autorité. C'est toujours le nom de Jésus. Ne changeons pas de nom. Ne croyons pas, même que nous sommes des grands prédicateurs à l'image des hommes, ne lui crois pas dans l'idée que tu es capable de faire quoi que ce soit. Tu ne peux rien faire sans lui. C'est lui qui fait. Eh bien, ce soir, restons dans nos limites. Ne sortons pas de nos limites. C'est l'apôtre Paul qui a dit dans 1 Corinthiens 4, 6, il a dit, voyez Apollos, on a fait une implication, c'était les deux enseignants du temps-là. Il dit, ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Nous restons dans les Écritures. Quand on reste dans les Écritures, on a Dieu le Père avec nous, on a Jésus son Fils et on a le Saint-Esprit. On ne peut pas avoir des choses plus fortes que ça. Mais si on sort des Écritures, nous ne sommes pas couverts. Nous sommes nous-mêmes qui sommes sortis. Non, nous restons dans la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui est importante. Alors je regarde et je termine. Donc, la parole de Dieu déclare, la nuit est avancée, le jour approche. Et puis la seconde question est posée dans Ésaïe 21, et c'est une sentinelle. Et une sentinelle, normalement, c'est là pour garder. Regardez ce qui se passe. Vous avez vu dans le temps, quand il y avait les grandes casernes, il y avait une sentinelle qui était devant, dans la guérite, elle passait toute la nuit à garder. Dans les terrains de bataille, il y avait des sentinelles. Une sentinelle, c'est là pour avertir les autres. C'est une sentinelle. Et à un moment donné, la question est posée à la sentinelle, elle dit, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Que dis-tu de la nuit? Et la sentinelle répond, la nuit vient, mais le matin aussi. En voulant dire, il y a le monde qui est écrasé par les ténèbres, mais le matin il vient. Mais c'est quoi le matin, mes frères? C'est la venue de Jésus. On nous enlève. Alors il dit, alors qu'est-ce que tu donnes comme conseil, sentinelle? Eh bien, j'ai relevé le conseil, écoutez, c'est tout ça. Deux mots, convertissez-vous. À ceux qui ne sont pas encore peut-être au Seigneur ce soir, convertis-toi. Amen. Ne perds pas ton temps. Amen. Ne crois pas le diable et en train de te faire tourner en rond, te dire que tu as encore le temps. Tu n'as pas le temps. Le temps, c'est pas à toi. Le temps, c'est pas à toi. Tu n'es maître de rien. Tu n'es maître de rien. Je voudrais vous rappeler ce soir, on a le privilège ce soir d'avoir le plus grand trésor qui peut vivre dans nos cœurs, dans nos vies, et qui peut nous emmener jusque dans la vie éternelle. Mes frères, je vous parle à vous ce soir. Je ne suis pas venu vous prendre, moi, mais ça se peut aussi bien les hommes en mettre maintenant. Hein. Je ne suis pas venu vous vendre de la pommade antivive.
Le Seigneur n'est pas venu nous vendre la teinture pour les cheveux. Le Seigneur, il est venu pour nous donner la vie. Amen. C'est autre chose, ça, mes frères. C'est autre chose, c'est pas les produits quelconques. C'est la vie éternelle. Alléluia. Alors il y a là, reconvertissez-vous, convertissez-vous. Et aux autres, il dit, revenez. Revenez. En voulant dire ceux qui se sont égarés du chemin, sur quelqu'un égaré ce soir. Sur quelqu'un qui a abandonné la main du Seigneur, je t'en supplie. Je t'en supplie. Ce soir, je te dis avec vérité, c'est pas mes mots à moi qui te tends la main. Il va encore te reprendre la main et te remettre dans le troupeau. Tu vas dire, oui, mais j'avais trop fait. Il a la capacité par son sang de te purifier. Si tu fais comme cette femme qui était samaritaine, mais qui a dit, Seigneur, elle lui a dit la vérité. Quand on dit la vérité, Jésus n'en demande pas plus. Vous savez, on croit des fois que se repentir, c'est qu'il nous faut s'arracher les cheveux. Je regarde à la croix du calvaire, je regarde le brigand. La Bible déclare que c'est lui-même qui dit à son copain, il dit, on a ce que mérite nos crimes. Il est mon pluriel, lui. Nos crimes. Donc, c'était pas, on voulait en dire, un enfant de cœur, ce homme-là. On a ce qu'on mérite nos crimes. Et ensuite, quand il a parlé à son copain, Jésus l'a entendu. Il s'est tourné vers Jésus. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi dans ton règne. Amen. Jésus n'a pas dit, tu t'es passé repenti. Tu l'as passé pleurer. Tu l'as passé crier. Non, il a été vrai. C'est ce qui est agréable à Dieu. Il a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Il n'y a pas plus beau. Non, je vois un Jésus qui est capable de nous comprendre quand on dit la vérité. Quand on est vrai, c'est ça l'importance. On doit être vrai. Alors je regarde dans la parole de Dieu, et pour nous engager, nous les chrétiens, les frères et sœurs, je termine ma lecture pour nous. On la suit ensemble, écoutez bien. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes des enfants de la lumière. On a reçu la lumière. Jésus a dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et en plus, il nous a fait un don excellent. Il dit, c'est vous les lumières du monde. Dans ton quartier, dans ton HLM, dans ton terrain où tu trouves, tu es une lumière. Joue le rôle de la lumière. Ne sois pas un choc pour les gens. Ne sois pas ténèbres pour les gens. Sois lumière. Amen. Et la lumière nous permet de découvrir les merveilles. Les merveilles. Et la Bible déclare, nous sommes des enfants de lumière et des enfants du jour. On a reçu Jésus. Pour être un chrétien, il faut être né de nouveau. On est des enfants de lumière, mais on est aussi des enfants du jour. Pourquoi du jour? Parce qu'on fait partie du programme de Dieu. Quand il va venir nous chercher, nous faisons partie parce que nous sommes des enfants du jour. Nous sommes déjà programmés pour le ciel. C'est l'apôtre Paul qui va un peu loin et qui dit, vous êtes déjà assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Déjà, on a déjà notre place. Mes frères et sœurs, gardons notre place. Et l'importance. Alors, ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment la nuit, ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres. Que Dieu vous bénisse ensemble. Mes frères et sœurs, c'est tout ce que j'avais à vous dire ce soir. On a un grand programme qui nous attend. On a un Dieu qui nous attend. Tout est préparé, mes frères et sœurs. Alors je pense que cet avertissement qui nous est donné ce soir, ce n'est pas pour nous faire peur, mais c'est pour nous ressaisir dans les bonnes choses. À cette fin, il y a un frère qui m'a fait remarquer quelque chose. J'étais à un moment donné à une rencontre de foyer. Ils appellent ça, je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin, fait, rencontre, tous les foyers étaient réunis, il y avait peut-être 500-600 caravanes. Donc il y avait beaucoup de foyers. Et... Un rallye, non, c'était pas un rallye, c'était des personnes âgées de mon âge et tout le monde. C'est des hommes. Alors, et c'était des foyers, écoutez bien. Et puis, de ce coup, le prédicateur, il a prêché. Et ce qu'il a prêché, ça m'a marqué. Ça m'a marqué, écoutez bien. Il a expliqué que le riche et Lazare, vous connaissez l'histoire-là que Jésus racontait, du riche et de Lazare. Le riche qui venait joyeux des millions de vie, mais qui ne se souciait pas du tout de Dieu. La Bible nous déclare qu'il y avait un malheureux qui était là, mais on comprend qu'il était en Dieu, ce malheureux. Mais il avait toutes les pelles sur la terre. Et puis à un moment donné, il est mort. Alors quand il est mort, les gens disent, parce que non, moi, il ne servait à rien, il avait une vie inutile, c'est fini. Mais lui, il n'avait pas misé sur la vie ici-bas, il avait misé sur la vie éternelle. Et quand il est mort, c'est son ange qui sont venus le chercher. Mais frère, ça, vous devez me dire une chose, un ange ne vient pas de lui-même, il faut que Dieu lui dise, va. Hébreux chapitre 1er, il est dit que les anges sont au service de Dieu. Les anges n'agissent pas d'eux-mêmes. Donc, il était aimé de Dieu, accepté de Dieu. Et quand on est aimé de Dieu, accepté de Dieu, aucun problème, on a une place auprès de Dieu. C'est tout ça, aussi simple que ça. Mais c'est la vie. C'est la vie. Et à un moment donné, c'est le riche qui, lui, avait tous les moyens, mais même qu'on a les moyens qu'on veut,
lisez dans le livre de nécrologie, reprenez les journaux, regardez la télévision, voyez-vous aussi des riches qui meurent. Un riche, son argent ne le protège pas contre la mort. Vous comprenez bien. C'est pas ce qu'il protège. Mais par contre, pour celui qui est chrétien, il a dit Jésus, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Ça c'est beau ça, hein. C'est des promesses merveilleuses. Et puis dans ce coup, cet homme-là, il est mort le riche. Et quand il est mort, je dis avec respect, la première chose qu'on fait quand quelqu'un meurt, on lui ferme les yeux. Hein, c'est ce que chacun fait. Dans n'importe quelle ethnie, tout le monde fait ça. Et là, ce coup, je m'aperçois, la Bible déclare, quand il meurt, il est dans le séjour des morts, rongé par les flammes, souffrant cruellement, c'est ses propres paroles. Et dans ce coup, la Bible déclare, il lève les yeux. Donc, il est fermé. Il lève les yeux. Ah, mes frères, c'est important de savoir. La vie continue dans le là. Qu'on soit chrétien ou non chrétien. Parce que l'âme est éternelle. Et il ouvre les yeux. Et quand il ouvre les yeux, il regarde. Et il voit Lazare dans le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham, l'endroit de la présence de Dieu. Il le voit. Et je m'aperçois une chose terrible, mes frères et sœurs. Quand on rentre dans la dimension divine, on a les yeux qui sont capables de voir très loin. C'est extraordinaire. On n'est plus dans notre dimension à nous. Nous, on est dans la dimension d'ici, je vois. S'il y a un volet, je ne vois plus rien. Mais dans l'éternité, tout est différent. Et il voit. Et le prédicateur a dit une chose terrible. C'est ce qui m'a touché, je voudrais vous dire une chose ce soir. Il a dit à ce moment-là, moi, je ne veux pas que ma famille me voit heureux dans le ciel et que souffre toute l'éternité. Je ferai tout pour qu'ils puissent venir dans le ciel. Je ferai tout ce qu'il faut. Je ne veux pas qu'ils voient toute l'éternité en train de dans la joie et dans la souffrance. Moi, je ne veux pas que mes enfants, je veux pas que ma famille, je veux pas que mes voisins, je veux personne, je veux faire tout ce qu'il faut faire. Est-ce que vous voulez faire tout ce qu'il faut faire? C'est important. La Bible nous conseille par la bouche de l'apôtre de Jules, arrachez-les du feu. Je voudrais vous dire une chose. Alors, j'en reviens maintenant à une expérience. J'ai des amis, des Catalans, qui sont à Nice, et c'est vraiment des amis. Et le père, lui, à cause du Covid, il est mort. Mais c'était un chrétien fidèle. Il est mort. Et j'avais été les voir l'été dernier. J'ai les voir, je les connais très bien. Et d'un seul coup, la femme Monique, je suis là, j'y vais vers eux. Ah Michel, je suis content que tu es là, tout ça, on a passé des bons moments ensemble. Et puis elle me dit, il fallait que tu parles à mon garçon, Vicky. Ça ne va pas du tout. C'est son plus jeune fils, il dit ça ne va pas du tout. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'étais avec un autre frère, je suis allé lui parler. Et je vais vous expliquer la conversation. Et puis quand je suis allé lui parler, j'ai dit, alors qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, Michel, je veux être franc avec toi. Il dit, ça ne va plus du tout. Je ne vais plus à la réunion. Il dit, je gagne un peu d'argent, je vais au casino, je le dépense, je fume, je bois un verre. Alors il dit, ma place n'est plus dans la réunion, je ne veux plus mettre un pied dans la réunion. Et puis d'un seul coup, je dis, mais oui, mais ce n'est pas la solution. Mais il dit, écoute-toi, ma nièce, l'autre jour, m'a parlé. Elle dit, mon oncle, elle dit, tu devrais prier le Seigneur. Tu devrais. Il dit, je le fais, ma nièce. Et il dit, j'ai prié le Seigneur. Puis d'un seul coup, il dit, j'ai prié le Seigneur, il dit, et le Seigneur m'a fait aller dans son paradis. Alors moi, je le regarde, je dis, tu bois, tu fumes, tu vas au casino, tu fais les 400 coups, et le Seigneur, il compte le paradis. Moi, ça fait 50 ans que je sers le Seigneur, j'ai jamais eu le paradis. Mais j'ai vraiment des formes. Mais dans moi, je dis ça, dans moi. Puis d'un seul coup, il continue. Et d'un seul coup, je me suis trouvé dans les grandes portes du ciel. Ah, en plus, je n'en ai pas. Les portes se sont ouvertes. Et c'est Jésus qui est sorti. Ah, en plus, t'as Jésus. C'est pas mal, je viens. Pas mal. Et il dit, j'étais là, et je ne voyais pas son visage, je voyais un grand personnage. Puis d'un certain moment donné, il m'a dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je vois mon père. Et il dit, il est là? Et Jésus m'a répondu, oui, il est là. Il dit, je voudrais le voir. Mais il dit, viens, je vais te le montrer. Alors je l'écoute comme ça, je dis, c'est un peu particulier. Alors il dit, quand il ouvre les portes, il y avait une grande table immense, et puis d'un seul coup, il commence à me parler. Et il parle des gens que je connaissais, qui étaient chrétiens, morts dans le Seigneur, et des hommes et sérieux. Il dit, il y avait un tel qui est là. Et autour de cette table, il y avait la joie. Il y avait une joie extraordinaire. Là, c'est vous, je regardais tout le monde, mais je ne vois pas mon père, Seigneur. Et le Seigneur me dit, si, il est là. Il dit, je ne le vois pas. Là, c'est vous, il dit, je regarde bien, je le vois. Il est là, mon père. Mais il dit, Seigneur, comment je sais qu'il ne me regarde pas? Il a la tête baissée, il ne me regarde pas. D'un seul coup, Jésus lui répond, il ne peut pas te regarder. Parce que s'il te regarderait, il serait triste. Et dans le ciel, la tristesse n'existe pas. Alors j'ai vu que Dieu lui avait parlé. Je voudrais vous dire une chose.
Nous ne racontons pas une histoire de conte de fées ce soir. Nous racontons la vérité. Amen. J'ai besoin de se rappeler des choses, c'est trop important. Le temps est court, dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 11. Le temps est court. Mes frères et sœurs, vous avez peut-être des projets, plein d'idées, mais vivez la vie de Dieu. Amen. Nous vivons les derniers temps. On prie le Seigneur maintenant. Que ton nom soit béni, Seigneur, parce que tu es un Dieu merveilleux. Un Dieu qui parle, un Dieu qui rappelle. Alléluia. Dans le chemin de la vérité, et tends ta main sur ton peuple ce soir. Bénis les cœurs. S'il y a un cœur fatigué, redonne-nous du courage. S'il y a un cœur meurtri, Seigneur, viens panser ses blessures. S'il y a un cœur qui est troublé, Seigneur, apporte une calme et la paix. Seigneur, il y a que toi seul qui peut faire ces choses. Je suis dans le monde, mon vie. Mais on veut rester sur ton chemin, comme tu le grandis, coûte que coûte. On ne veut pas te lâcher, Seigneur. Bénis mes frères et sœurs, que ton nom soit béni, Jésus. Dieu vous bénisse. Amen. Amen.